Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble différentes nouvelles applications sur le Google Home. Il s'est amélioré de nouvelles applications et comme d'habitude, je vous en fais profiter. Alors, le Google Home s'est amélioré d'une application qui est vraiment super, qui va vous permettre en fait de choisir vos boissons suivant vos repas. On va tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker et de les partager avec vos amis. Allez, donc, on va tout de suite demander à notre Google Home de parler avec le sommelier d'Auchan. Très bien, je vous mets en relation avec sommelier d'Auchan. Bonjour, pour quelle place souhaitez-vous trouver le bon vin ? Une daube. Daube, d'accord. Quelle est votre préférence en termes de vin ? Rouge, blanc, rosé ou des bulles peut-être ? Rouge. Du rouge, c'est entendu. Dans quelle gamme de prix je dois rechercher ? Entre 5 et 10 euros. Entre 5 euros et 10 euros, ok, je note. Voici un vin qui correspond à vos critères, un vin rouge de Rhône. Un Hermitage, le Léper Drijol, proposé entre 6 et 8 euros. Souhaitez-vous que je vous présente le second vin ? Oui. Voici un vin qui correspond à vos critères, un vin rouge de Languedoc. Un Corbière, le Léo de Castelmor 2015, proposé entre 5 et 7 euros. Je peux vous proposer d'autres vins, mais pour ça, quels sont vos nouveaux critères ? Non. Êtes-vous satisfait de ce conseil ? Oui. À votre service, qu'est-ce qui vous a plu ? Votre rapidité. Je vous remercie pour l'avis laissé, cela me permet de m'améliorer sans cesse. Avez-vous besoin de moi pour un nouvel accord ? Non. N'hésitez pas à faire de nouveaux appels à moi pour vos prochains plats. À bientôt. Voilà donc, parler avec le sommelier d'Auchan va vous permettre de trouver les bons vins pour vos plats. C'est-à-dire, vous allez pouvoir passer des bons repas avec vos amis et trouver des vins adéquats. Ok, donc on va tout de suite passer à la deuxième application que le Google Home peut nous proposer. Et celle-ci est une application propre à Google. Voilà, pour cette application que je vais vous présenter, elle est propre à Google et elle possède 5 fonctionnalités. Je vous ai déjà fait une vidéo au niveau des différents bruitages que l'on pouvait trouver. C'était une application. Ici, ce sont les bruits du Google Home. La particularité, c'est que ces bruitages vont avoir une durée de 1 heure, ce qui vous permettra d'avoir à la maison un environnement de différents bruitages qui peuvent être très apaisants. On va commencer donc par le premier qui va être bruit océan. C'est le bruit de l'océan. Avancée de 5 minutes. On peut aussi avancer cette plage de bruitage de 5, 10 minutes, un quart d'heure si vous le désirez, car en fait toutes ces plages de bruitage durent 1 heure. On va passer à la seconde, bruit de la nature. Diffusion des bruits de la nature. Bruit de la rivière. C'est le bruit d'une rivière. Bruit de la forêt. Voici les bruits de la forêt. Voilà, on peut avoir une ambiance très paisible et justement à la maison, avoir une sorte de bruitage de forêt, ça peut être très reposant, style Nature et Découverte, si vous connaissez, on se sent très bien, on baisse le son et on peut être vraiment très à l'aise avec ce système de bruit. Voilà donc pour le dernier bruit, on va lui demander de parler avec bruit d'une nuit à la campagne. C'est le bruit d'une nuit à la campagne. Je
Je vous présente ces applications. Certains m'ont dit, oui, ça sert à rien, c'est des applications nulles. C'est des applications qui peuvent être aimées par certaines personnes. Voilà pourquoi je vous les présente. Ça peut être vraiment apaisant d'avoir ces bruits pour certaines personnes à la maison. Donc, j'essaye de faire dans ces vidéos profiter tout le monde pour que tout le monde puisse trouver, comme on dit, son compte dans les différentes applications existantes dans notre Google Home. On va passer tout de suite à la troisième application. Merci de regarder la vidéo jusqu'à maintenant. Et c'est parti donc pour la troisième. Pour cette dernière application, étant donné qu'on vient de parler de nature, qu'on vient de parler de forêt, de rivière, on va donc demander à notre Google Home de faire attention à la nature et de parler avec Recyclage Facile. Ok, je vous mets en contact avec Recyclage Facile. Bienvenue sur l'assistant de recyclage. Quel déchet avez-vous en main ? Une bouteille d'eau. Est-elle en verre ? Non. Jetez-la dans votre poubelle de recyclé. Quel autre déchet avez-vous ? Une roue de vélo. Déposez ce déchet en déchetterie. Quel autre déchet avez-vous ? Une boîte en carton. Jetez ce déchet dans votre poubelle de recyclé. Quel autre déchet avez-vous ? Un morceau de poulet. Dans le bac à compost. Si vous n'en avez pas, jetez dans les ordures ménagères. Quel autre déchet avez-vous ? Un stylo. Je ne comprends pas de quoi vous me parlez, mais en cas de doute, choisissez la poubelle ordinaire. Quel autre déchet avez-vous ? Une pile. En grande surface ou en déchetterie, quel autre déchet avez-vous ? Une batterie de voiture. En grande surface ou en déchetterie, mais jamais dans votre poubelle. Stop. Voilà donc Recyclage Facile, ce qui va vous permettre de savoir où et comment recycler tous les objets, tous les ordures ménagères, tous vos objets que vous devez jeter. Grâce à cette application, vous allez savoir où les jeter. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et pensez bien à vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!